Ce soir, ça va partir en couille. Je vais pas dire, mais il y en a un qui a fait des épreuves. Elles sont... Ils m'ont fait un coup Starfall, ils ont voulu me tuer. Nique ta mère, frère. Tu fais pas mal. Dis pas la réponse, s'il te plaît. 3, 2, 1, c'est parti. Ça descend vite. Mais j'en connais un, il a la tête. What the fuck. Confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatou. Hey, je veux que ma mère soit fière de mon. Qu'est-ce que tu fais? Descends. Descends, Bichou. Ah, Bichou. Oh, arrête de crier, ouais. Laisse-le sur moi. Mais laisse-moi dormir, frère. T'es sérieux ou quoi? Putain, j'ai dormi. Attends, mais on dort, cousin. Non, ça me dit qu'un après. Oh non, pas encore. Non mais frère, je dormais trop bien. Oh non, pas encore. Je dormais trop bien, frère. Mais pourquoi tous les samedis, hein, samedi canap? Putain. Bonjour et bienvenue à vous tous. Je vous rappelle, je sais pas où est la caméra, je crois que c'est celle là-bas. Ok, je vous rappelle que nous sommes en période de confinement. On devait avoir un invité en plus de Loli. Loli, attention, il y en a plein sur Twitter, ils me disent oui, à chaque fois vous marquez guest Loli. C'est pas parce que Loli est souvent dans les émissions qu'il est tout le temps là. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois quand il vient, il se peut qu'il y ait des émissions où, dans lesquelles il ne sera pas là. Donc c'est pour ça qu'on continue à le dire que c'est un guest. Pas parce qu'il est souvent là que les gens, il faut qu'ils s'habituent et que du coup T'as capté. T'as capté, ouais, franchement. Il habite pas là, quoi. Franchement, t'as capté. Il devait y avoir un autre invité. De fou. Hein. Vous le savez, ça en plus. Ça de fou. Hein. En plus, c'était un bel invité. T'es pas au courant, toi? Belle. C'était un bel invité. Vas-y. Continue à dire des noms. Je mets genre. Et voilà. Donc, installez-vous confortablement. Sar, ce soir, à chaque fois, je vous hype un petit peu. Ce soir, ça va partir en couille. Je vais pas dire, mais il y en a un qui a fait des épreuves. Elles sont faramineuses. Je sais pas si c'est le mot. Je vais voir si tu te regardes pendant les yeux, fake. Il va te faire foutre. Là, ça va être, on va vivre une belle soirée. Il y a des bonnes chroniques. À chaque fois, ça s'améliore. Mais pour commencer tout ça, je vais te demander, Mehdi, d'envoyer le jingle puisque c'est la chronique de Elias. Qui est la chronique? LJPDLADMEFAC. Bien joué à toi, Elias. Wesh. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette semaine? Alors, comme d'habitude, trois petites infos que je suis parti fouiner sur le web, chercher sur le web. Trois trucs plutôt récents. Je pense qui vont vous plaire. Est-ce que vous savez ce que c'est le 5 novembre? Est-ce que vous savez c'est une date? Ouais, c'est le 9 novembre. C'est le jour anti-harcèlement à l'école. Et ouais, tu l'as deviné. Oh, à l'image, oui. Ah ouais. Quelques-uns, vous avez une petite histoire à raconter où vous avez subi du harcèlement scolaire ou bien une hagra ou bien un moment de votre année où ça vous a. Tu veux que je te raconte, moi? Vas-y, raconte. T'as vu en 6ème, j'étais tarpin, gros. Ah bon? J'imagine vraiment pas gros. Tu demanderas à ma mère, je te jure, en 6ème, j'étais gros de fou. Un jour à la piscine, ma prof de sport, elle m'a vu, tu vois, en short de bain, tout ça, tranquille, le plongeur. Tu sais, elle m'a dit quoi? Mot pour mot? Grosse bite. Non. Elle m'a dit, évite de vider la piscine quand tu vas sauter. Oh, ta prof, ma prof m'a dit ça devant tout le monde. Elle m'a dit évite de vider la piscine quand tu vas sauter. Mais la tête, je l'aurais enclenché, je l'aurais noyé. Ma daronne, elle a pris convocation directe avec elle. Ah ouais, elle a dit quoi ta mère? Je sais pas, elle s'est embrouillée avec elle, j'étais pas dans le bureau. Dis-toi, raconte. En fait, moi je me suis pas fait hagar, mais c'était du racisme, mais pas contrôlé, tu vois. En gros, je suis allé vivre à La Réunion pendant un an et demi. Mais attends, mais tu nous as jamais raconté ça? Quelqu'un savait? Tu étais à La Réunion? Pendant un an et demi, mais Mais attends, mais qui savait? Quand j'avais... Bah oui, ouais. Ah, Mehdi savait apparemment. Quand j'avais 6 ans, j'allais pour mes 7 ans, la veille de mes 7 ans, je suis allé à La Réunion, on est resté là-bas pendant un an et demi. Ouais. Et en gros, là-bas, ils aiment vraiment pas très bien les métropolitains, tu vois. Les blancs. Ouais, ils les appellent les oreilles. Mon frère, il m'a dit. Ils les appellent les oreilles et du coup, Pourquoi les oreilles? Ouais, c'est une insulte, les oreilles. Oreilles Z-O-E-R-E. T'as dit quoi? Z-O-R-E-I-2-L-E. Oreilles. Oreilles, tu vois. Et j'étais un oreille et du coup, c'était oh les oreilles. Putain, c'est trop drôle comme insulte. Ils ont des insultes nulles, ils sont nuls là-bas. Non, t'es fou, ça tue les oreilles. Je te demande, c'est mystérieux, tu sais pas en fait. Mais moi, une fois, pour la petite anecdote, j'étais en Tunisie, au Kef, frontière de l'Algérie. Alors, c'est montagneux. Bah non, c'est pas la plage, y'a rien. Parle en France, wesh. Ouais, j'ai pas l'habitude de celui-là. En plus, je faisais le beau début. En fait, il fait des zigzags, il y a le micro qui arrive, il fait ça comme ça. Tu fais de la SMR ou quoi, enculé? Et du coup, t'es retourné un an à l'école, parce que moi j'étais en France et tout, j'étais retourné un an à l'école là-bas. Et ouais, c'est vrai, bon, ça me vannait et tout, tu vois, ça venait me voir, ça me disait genre, en France, vous avez XXX, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, les blédards. Non, il est au States. Non, il était en France. Et
Tu l'as ou pas? Et je l'avais pas moi. Et ils m'ont fait un coup de pute. Existe, attention. Ils m'ont fait un coup Starfall, ils ont voulu me tuer. Écoutez ce qu'ils ont fait. On a fini l'école et tout. Ils m'ont dit viens avec nous, nanani nanana. On va les sortir. J'ai dit ok. Je les ai suivis. Ils m'ont ramené dans la montagne. On est monté tout en haut. On montait. Et eux là-bas, c'est des blédards, frérot. Ça veut dire même pieds nus, ils courent vite. Et en fait, ils m'ont ramené dans des terrains de bergers. Et les terrains de bergers, quand tu rentres dans leur territoire, ils te niquent ta mère. Genre j'y pense là, tu vois, je suis encore. Et ils m'ont ramené là-bas. Et après, les bergers, ils nous ont vus. Ils ont commencé à courir. Moi, je vois des gens, ils courent avec des pierres, des lances et tout. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Et je vois tous les autres, ils courent. Mais moi, j'ai pas couru assez vite. Ils m'ont attrapé, ils m'ont niqué ma mère. Arrête. Ensemble, je me rappelle. Il y avait des mecs qui travaillaient sur le chantier à côté, des darons et tout. Hein. Ils me voyaient me faire enculer. Et moi, je criais et tout. Je disais aidez-moi et tout. Et ils m'ont laissé. Il y a personne, il m'a aidé. Et ils m'ont niqué ma race. Il y avait un petit, il avait pris la pierre et tout. Une pierre comme ça, il m'avait jeté dessus. C'était moi, je t'en suis. Il me l'avait jeté dessus, il m'avait niqué ma mère. Ok, et enfin, juste pour finir, en gros, il y a un numéro qui a été mis en place. Bah, moi, je vous invite à tous personnellement à ne pas. Appelez si vous êtes harcelé, les gars. À ne pas, surtout, appelez si vous êtes harcelé. Et si vous êtes des harceleurs, ça, arrêtez les mecs, c'est pas bien. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est important de le rappeler. En fait, faut faire gaffe parce que des fois, on se rend pas compte qu'on harcèle. Alors qu'on harcèle. Mais en fait, c'est ça. Il y a plein de gens qui harcèlent et qui ne sont pas. Ils sont pas au courant. Ils disent, mais non, pour moi, c'est vraiment juste des vannes et tout. Ouais. Soyez sûr, est-ce que vraiment la personne, elle est en train de rire avec vous, ou est-ce qu'elle rit jaune, ou est-ce que vraiment elle rigole pas. Essayez de faire vraiment la différence entre ces trois sortes de réactions et tout. Et faites attention. Et si jamais vous faites harceler, appelez ce numéro, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos parents, à vos profs, à vos CPE. Appelez vos grands frères. Le meilleur truc à faire, sinon vous montez une équipe et vous allez les tabasser. Viens, on monte un truc genre comme la LDJ. Un collectif anti harcèlement. On fait la LDJ. La LDJL. C'est la Ligue Défense Juive. Et en gros, quand tu subis un truc antisémite, t'appelles la LDJ, donc la Ligue Défense Juive, et en gros, ils te montent un dossier, une équipe, et ils vont les tabasser. Et nous, on monte la Ligue de Défense JL. Donc nous, on va aller taper des petites 14 ans qui se taillent entre eux. Non, entre eux. On monte une équipe de. Ça recherche, tu vois, ça recherche. Ouais, j'ai besoin d'une équipe sur, je sais pas moi, sur Avignon. Ok, moi je suis là, moi aussi je suis là. Et tabasse les harceleurs. Ça fait des descentes d'école à école. Non, voilà. Mais en tout cas, force à vous à l'école. Les j'ai cru qu'il allait dire force à vous, les harceleurs. Mais non. T'imagines. Merci beaucoup, Elias, pour ta chronique. Elias, ta chronique et la masterclass de chaque semaine, à chaque fois. Ah ouais. Je pense que je pourrais. Moi, je me régale. On pourrait faire des émissions de 2 heures avec ta chronique, ouais. Je suis content, mec. Je vous ai raconté ce que ça faisait avec mon sac à dos ou pas? Est-ce que je vous ai raconté ça? Oui, ça te tirait vers l'arrière. En gros, j'étais vraiment psy. Et ma mère, c'était vraiment une intellectuelle, tu vois. Elle ne voulait pas que j'aille en cours sans tous mes livres. Même quand j'avais pas histoire, je devais prendre le livre d'histoire au cas où, trop tu vois. Chiant. Et mon sac faisait 30 kilos, et du coup, les mecs, ils venaient derrière moi, ils soulevaient mon sac. Et ils le lâchaient d'un coup. Oh, et la classique, celle-là. Mon vieux, Elias, non, j'aurais trop aimé. Ça, c'est qu'il était petit. Je t'en ai obligé, j'en arrive. Avec la tête de Elias Meli, ça devait être incroyable, j'ai la haine. Mec, j'étais bloqué sur le dos comme une tortue. T'as vu les tortues, quand tu les retournes, elles font ça. Il essaie de se retourner comme ça. Ça devait être trop drôle, mais c'était pas bien. Tu le vivais mal ou pas? Non, je le vivais mal, c'était pas bien, faut arrêter. Ça, est-ce qu'avec du recul, tu regrettes les gens qui t'ont. Enfin, genre, t'en veux aux gens qui t'ont fait ça, ou en vrai, je trouve ça non, drôle? Non, parce que ça moi, j'ai vraiment pas été victime d'harcèlement. Tu vois, juste on était des hagals entre nous, mais ça n'a jamais été ciblé. Voilà, c'était comme ça, voilà. Moi. Oui, voilà, oui, non, mais moi, oui. C'est un full collège comme ça. Oui, voilà, en fait, des hagals entre nous. T'étais un roubé, frère, évidemment. Que des hagals. Ça se jetait des briques, trop drôle. Ça se plantait où? Non, mais ça jetait des choses, mais. On balance le jingle dans 3, 2, 1 Les épreuves de pip. Tu peux nous remettre les retours, Amélie? Eh bien bonsoir tout le monde, c'est le chroniqueur J.L. Bichou, de nouveau là pour les questions insolites, hashtag 2 de Bichou. Donc j'espère que mes candidats, je vous regarde vous aussi, mais je dois regarder mes candidats. Oui, d'accord, moins un point pour toi. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles questions de culture générale. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons avec une nouvelle sélection de candidats les plus insolites que les autres. Nous sommes là actuellement pour voir le QI de ces messieurs. Il va y avoir deux équipes. Le QI. Quoi? Le QI. Bah oui, non, le QI.
Le cul. Le cul. Bah ouais, le cul. Nous allons voir donc du coup avec deux équipes laquelle va être vainqueur. Et je tiens à préciser que l'équipe vainqueur aura un gros lot, donc un beau cadeau. Voilà. C'est vrai, je peux me permettre un commentaire sur bien sûr. Alhamdoulilah, y'a pas Bichou. Ouais, y'a pas Bichou. Oh, y'a c'est vrai. Mais je me demande comment Bichou veut calculer notre QI. Ça. Fais le malin. Comment il veut. Non, pas le QI, le QI. Ah oui. Bah alors, l'équipe numéro 1 est constituée de Loli et Elias. Ok. La deuxième équipe est constituée de Nathéo, Stoma et Fake. Oui, ok. Je pensais que j'étais avec lui, moi. Je pensais que j'étais avec Shinjin. Et la troisième il n'y a pas de troisième. On est au nombre impair. S'il y avait un invité, ça aurait fait du 3 contre 3, mais on n'a pas d'invité. Ok. Quelle est la date de la prise de la Bastille? C'est Nathéo qui a levé. Merci. Attention. 1789. Ouais. Oui, bah 1er septembre. Mais non, on s'en fout, on s'en fout. C'est 1789, frère. Oui, bah oui, bah c'est mais bon. Mais c'est bon. C'est bon, okay, c'est bon. Mais t'es sérieux, moi, mais c'est quoi, tu viens de dire. Mais dis bonne réponse, un truc comme ça, c'est un signe distinctif. Mais c'est truc. Bah oui. Il a dit ouais. Ouais. J'avais entendu quelque chose. J'en peux plus, sérieux. D'accord. Bah ok. Bah la quatrième question. Combien y a-t-il eu de républiques en France? Loli. 5. Ok. Maintenant on va devoir corser le jeu vu que. Mais dis pas ok, dis oui, bonne réponse. Bah quoi, bah bonne réponse, me casse pas les couilles. Oui, mais dis bonne réponse. Bah d'accord, bah je dis ouais, tu vas faire quoi? Non, dis bonne réponse, t'en suis. Je m'en fous, tu vas trouver, tire au hasard. T'as pas répondu à la question, tu tires. Quoi? Ok. Mon dieu. Capitaine. J'en peux plus. Tu peux te chauffer un peu s'il te plaît parce que vas-y, je te sens vas-y. Peu. Offrir un sub à la chaîne de Thomas. Bah, oh il est bien. Ok. Je propose que comme c'était pour la chaîne Thomas, et ben on fait l'inverse, il offre un sub à l'équipe adverse. Non, c'est le gars, c'est sur la chaîne à Thomas. Ta mère. S'il te plaît, Bichou, dis bonne et mauvaise réponse. Je t'en supplie. Ok. Quel est le premier président des États-Unis d'Amérique? Washington. Ok. C'est bon. Mais dis bonne réponse s'il te plaît. Dis bonne réponse. T'en supplie. Et d'ailleurs, c'est pas ouais, c'est. Si, c'est ça. C'est Washington. S'il te plaît, dis bonne réponse. Il n'y en a pas eu deux Washington. Dis pas, okay. En fait, quand tu dis ok, on dirait qu'on t'attend une suite. Ah, ouais. Bah oui. Okay. Oh les gars, vous avez remarqué quand je suis pas gaz, quand je suis en forme, ouais. Comment je suis bon. Ouais, oui, c'est bon. T'es bon. Je suis choqué. C'est vrai. Ok, non, là par contre, elle est dure la question. Quelle est la capitale de la Turquie, Loli? Non, attends. Laisse nous jouer. Non, mais c'est lui qui est Istanbul. Oui, c'est lui. Non, Istanbul. Faux. Ankara. Bien joué. Voilà, parfait. Mais frère Turc, tu savais toi? Non, je savais pas. Dans quelle ville se déroule le plus célèbre carnaval du monde? Rio de Janeiro. Bien joué. Yes. Bonne réponse. Dans ma tête. Bonne réponse. Je lui dis bien joué. Répète. Bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Bien joué, c'est déjà plus explicite que. Okay. Oui. Encore. Bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Excellente réponse. Excellente réponse, monsieur. Ouais. Alors, quelle est la capitale du Brésil? Brasilia. Oh, mais je t'aime. Allô. Mais attends, mais pour. En fait, là. Mais quand est-ce que. Parce que quand vous répondez pas, au bout d'un moment, vous avez un malus. C'est comme ça. Je joue, monsieur. Allez. Moi j'ai aussi. Pas fait dégage pour rien. De plus parler pendant un round. En gros, c'est à dire que là, Elias, tu dois choisir entre soit toi, soit Loli, qui ne parle plus pendant un round. Si tu as la bonne réponse, okay. Loli devra parler, mais toi, tu ne pourras pas savoir ça. Donc, si j'ai bien compris, quand on parle pas, on est pénalisé. Et on est pénalisé en ne parlant pas. Oui. Bah, vas-y, je m'abstiens pendant un round. Donc, il n'y a que Loli qui pourra répondre à la question. Il n'y a que Loli qui pourra répondre 3v1, à la question. Et du coup, là, c'est la troisième question. Tu as juste, tu gagnes un point bonus. Cool. Nice. Que lui ou l'équipe? Que son équipe. Nice. Je lui ai dit que lui ou l'équipe, il m'a dit que son équipe. Bah quoi, t'es sûr qu'il a eu trop. Enfin non pardon, j'ai rien dit. Ok, neuvième question, qui a écrit Le Malade Imaginaire? Nathéos. Victor Hugo. T'as un malus par contre toi aussi. Quoi? Tu peux répéter la question. Mais à quel moment? Le Malade Imaginaire. Je peux répondre ou pas? Nathéos. Voltaire. Puis-je répondre, monsieur le juge? Non, dis c'est faux avec ta bouche. Il y a un chéri. Il a pas la réponse. Non, tu ne dois pas parler. Non, il peut pas. C'est que Loli qui pourra parler. Triche pas. Je triche pas. Oh donc je... Voilà, je triche pas. Laisse-moi 30 secondes. Fait que tu peux répondre, Thomas, vous pouvez répondre aussi. C'est le mec qui a fait. Ah, Jules Verne. Non. Ok, je tente un truc. Émile Zola. Non. Monsieur le juge. Non. Non. Je sais qu'en plus tu le sais. Jean-Yves Rimbaud. Non. Alors dépêchez, vous avez exactement plus que 20 secondes pour savoir si. Non, monsieur. J'ai dit non. Mais c'était son frère, ça. Okay. Allez, plus que 15 secondes. Loli, tu peux t'en dire. Dis des littéraires. Oui, je les cherche là. Truc à l'anpo. Faux. Truc à l'anpo. Faux. Donne pas d'indice. Pour même vous donner un indice, c'est en rapport avec son décès. Il y a une prochaine question en rapport avec son décès. Bah, c'est pas un indice du tout. Si. Mais si, tu n'as pas encore posé cette question. Molière. Voilà. Oui. Voilà. Bien juste... joué, Loli. Ah bah oui, Molière. Oh, tire-moi un petit bout de papier. Moi, je tire. Ouais. Pour l'instant, c'est l'équipe à Thomas qui est en première tête. En première tête. Quoi? Bichou, je t'aime! Se rename JL Cuck sur Twitter pendant 2 jours. Tu dois choisir quelqu'un de ton équipe, tu vas devoir se rename JL Cuck maintenant.
Fake. Non, ça, je suis moins cuck, frère. Fake. Je suis moins cuck, frère. Justement, c'est pour ça, au moins, toi, ça crée rien. Fake, tu dois prendre ton téléphone, te rename maintenant JL Cuck pendant que je poserai l'autre question. Et mettre un petit bichou pour bien confirmer la thèse. Je te le ferai gratuitement, toi. Je te le ferai gratuitement pendant. Pas de problème. 20 ans. Toute ta vie. En quelle année les émissions de télévision françaises ont pu être diffusées en couleur? 1979. Non. 1964. Non. Il faut à l'année près? Ouais. Non, là, par contre, c'est à moi. 1982. Non. 1968. 68. Non. 67. Bien joué. Oh, je le savais. C'est parce que c'est moi qui savais. Crois le fort que je le savais. Ok, eh ben merci franchement pour ton émission, elle était cool. Ça va, c'était bien. Oui. Ouais, c'était malgré cool. Malgré le début, c'est catastrophique. Non, c'était cool. En fait, t'as bien arrivé, donc c'était sympa. Exceptionnellement, là, vous dites sûrement oui, ça va être la chronique de Fake. On va terminer par la chronique de Loli. Ce soir, aujourd'hui pour Samedi Canap, la chronique de Fake est le main event de la soirée. Sérieux? Holy moly. Je vous spoil pas pourquoi la chronique de Fake est le main event de la soirée, même si Loli, ça s'est joué aux deux, parce que Loli a une excellente chronique et je pense qu'on va se régaler. Qui c'est? C'est Loli. Aujourd'hui, c'est la chronique de l'invité. Balance la chronique de l'invité. Ta 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 ta. La chronique du drogué. Donc on va tous avoir un personnage connu sur notre front sans savoir qui c'est. Derrière, on va commencer par le plus jeune, c'est Bichou. Il posera une question à la personne qui est à sa gauche. Ah, moi, ouais. Donc à Mathéos, parce qu'on tourne comme ça. Donc Bichou va poser une question à Mathéos. Bichou va dire: est-ce que le personnage sur ma tête, par exemple, c'est un homme? Mathéos va dire oui. Si Mathéos dit oui, il continue à poser des questions, ainsi de suite. D'accord? Bichou continue à poser des questions. Si Mathéos dit non, ça devient le tour de la personne qui était après lui, Mathéos, etc. Et on tourne. Ah, okay. Simple. Okay. C'est carré? C'est carré. Voilà. Oh mon dieu! Jamais! Oh, j'ai bien rattrapé quand même. J'ai un peu sauvé ou j'ai servi à rien? Ouais, non, je crois que t'as sauvé aussi. Attends, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse des zooms sur tous nos têtes pour bien, comme ça, au moins. Oui, en régie, ils vont gérer ça dès qu'on est tous prêts. Bichou, c'est lui. Elias, c'est lui. C'est lui. Moi, je suis lui. Ok. Loli, c'est lui. Fake, c'est lui. Et Mathéos, c'est moi. Lui. C'est bon, vous êtes plus ou moins retenu? Gang. C'est bon, vous l'avez? Ok, qui commence? Loli, pas de script. Alors, ouais, c'est à moi. Alors, je rappelle une petite chose au niveau des règles. Les réponses peuvent être simplement oui ou non. Donc, Bichou, honneur à toi. Okay. On commence par ta gauche. Donc, tu vas poser une question à Mathéos sur ton personnage. Est-ce que mon personnage est un homme? Oui. Est-ce que mon ça y est. C'est maintenant si, ta Fake, la prochaine question. Fake, est-ce que mon personnage est un streamer? Ah, je croyais qu'on tournait comme ça, voilà, pour se poser une question chacun. Non. Est-ce que c'est un streamer? Non. Ok. Ok, c'est à moi. Est-ce que je suis un homme? Oui. Est-ce que je suis un acteur? Non. C'est à moi. Est-ce que c'est un homme? Oui. Est-ce qu'il est fictif? Oui. Est-ce que c'est un animé? Enfin, il est dans un animé. Mais attends, mais il a posé trois questions. Ouais, c'est normal. Tant que tu réponds oui. Ah, ok, j'ai compris. D'accord, j'ai compris. Il est trop bien. Ouais. Ok, il est dans un animé. Regarde-moi, toi. Est-ce qu'il est dans un animé que je regarde en ce moment? Non. D'accord. À mon tour. Est-ce que c'est un homme? Non. Nal. Ok. Est-ce que je suis fictif? Oui. Est-ce que. À Bichou maintenant. Est-ce que je suis un personnage masculin? Oui. Je suis fictif, je suis masculin. Est-ce que j'ai des pouvoirs ou des capacités genre un peu supérieurs à la moyenne? Ben. Ah non, mais non, mec. Ok. Mais quoi? Comment ça? Ben non, mec. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Évident que non. Bien sûr que si, frère. Ça, c'est évident. Regarde, Thomas, retiens bien. Pouvoir, tout ça. Et tu vas retenir pour après ton personnage. J'ai des pouvoirs ou pas? Non, zéro. Non, t'en as pas. Tu vas voir. T'es un personnage banal. Je le connais. Attends, je le connais au moins, on est sûr. Mais ça, c'est une question. Ok, du coup je commence avec Bichou. Est-ce que j'existe? Oui. Est-ce que je suis lié au monde de l'art, musique, de, ouais, musique. Non, c'est trop flou. Oui, oh, allez. Ok. Est-ce que je suis créateur de contenu? Oui. Est-ce que je suis un homme? Oui. Ah ben, oui. Est-ce que je fais de la musique? Pas ma connaissance. Non. Est-ce que je réside en France? Probablement. T'as des questions. Probablement. Okay. On va dire. Est-ce que je suis résident à Toulouse? Non. Quoi? J'ai envie d'insulter. Quoi? Vas-y, Mathéo. Est-ce que je suis un personnage fictif? Oui. Est-ce que je suis présent dans un film animé? Oui. Est-ce que je suis le personnage principal de là où je joue? Oui, hein. Okay. Ouais. Est-ce que je suis humain? Est-ce que ce film est sorti avant 2000? Avant les ans 2000? Non. Non? Ok. Est-ce que je sais pas qui l'a posé à Loli? Oui, c'est moi en premier. Est-ce que je suis un personnage principal? Non. Non. Ben, un personnage principal, c'est les personnages principaux. Là, commence à nous douiller là. Oui. Ben, en fait, oui, mais t'es pas un personnage principal. D'accord. Suis-je une femme? Oui. Ben oui. T'es pas un homme. Ah, on sait jamais. Ça pouvait être un ambidex. Un ambidex. Est-ce que je suis une artiste? Non.
ta mère. Est-ce que je suis un personnage de GTA? Non. Ah putain. Aïe aïe aïe. Là ça se corsé les gars. Loli. Est-ce qu'on me trouve sur YouTube? Oui. Est-ce que je suis un homme? Oui. Est-ce que je suis beau gosse? Ouais, ça oui. va. Oui. Ok. Ouais, est-ce que je suis français? Oui. Ok. Est-ce que tu me regardes? ça peut m'arriver, mais bon, c'est pas. Ok, je sais qui c'est. Bah, dis. Ok, je pense que c'est Manuel Ferrara. Non. Ah, ok, rien à voir. Ok, est-ce que mon personnage tourne dans des films? Non. Pas que dans des. est-ce que mon personnage tourne dans des films pour adultes? Alors, je crois pas. J'ai une petite question. Est-ce qu'il a regardé son téléphone? Wallah, non. Ok. Non. Non, je crois pas en vrai. Hein. Non. Je sais pas. Vas-y, continue. Est-ce que mon personnage tourne dans des films pour adultes? Non, je crois pas. Ok. Est-ce que je joue dans un manga? Oui. Est-ce que mon manga comporte plus de 500 épisodes? Non. Est-ce que c'est un animé que j'ai déjà vu? Oui. Est-ce que c'est un animé dans mon top 3? Non. Ah ouais, mais attends. Tu connais. Ok. T'inquiète, tu connais. T'inquiète pas, tu le connais. Est-ce que je suis dans un animé? Non. Si. C'est un animé? Si, ouais, ouais. Oui. C'est pas un animé manga. Okay, genre. Formule très bien ta question. Ouais, reformule ta question. Est-ce que je suis dans une série? Oui. D'accord. Bon, est-ce que je suis dans une série que Fake regarde? Il l'a déjà vu. Oui, il l'a déjà regardé. Ok. Est-ce que je suis un personnage de Malcolm? Non. Je suis un homme, je suis un personnage fictif. Est-ce que je suis d'un dessin animé? Oui. Je suis d'un dessin animé. Oui. Est-ce que je suis dans un manga? Non. Ok. Est-ce que j'ai plus de 100 000 abonnés? Oui. Est-ce que j'ai plus de 200 000 abonnés? Oui. Oui. Est-ce que j'ai plus de 300 000 abonnés? Oui. Fils de pute. 400 000? Ça sera, oui. Mais je sais pas combien il a. Ok, je suis très connu, ok. Est-ce que je fais partie des grands youtubeurs français? Oui. Non. Comment ça, oui et non? Non. Bah, Non, tu fais un spoil, ne dis pas, non, dis pas plus sur le spoil. Non, juste non. Okay. Bah juste non, alors. Okay. Attends, biche. Ok, est-ce que mon personnage est réel? Oui. Mais frère, t'as demandé s'il habitait à Toulouse. Ouais, c'est vrai. Est-ce que mon personnage tourne dans une série? Non. T'as déjà posé la question? Ah oui, merde. Allez, Nick. Est-ce que là où je suis dans mon animé, je suis un ninja? Non. Okay. Est-ce que c'est un animé très connu? Oui. Ok. Pardon, Olivier. Vas-y, prends la prochaine, t'inquiète. Est-ce que c'est un animé qui a moins de 5 saisons? Non, il en a plus. Il en a beaucoup plus. Ok, là j'ai déjà l'animé en tête. Est-ce que... Le premier qui trouve à gagner, je rappelle. Est-ce que je suis dans la série South Park? Non. Est-ce que je suis plutôt un dessin animé pour adultes? Non. Non. Non mais genre plutôt, ça veut dire c'est pas non. un... Non. Bah non. Donc je suis plutôt un dessin animé pour enfants? Bah... T'es plutôt un dessin animé. C'est ça en fait. T'es un dessin animé pour adultes et enfants en fait. Oui, donc mais c'est... pas plutôt pour adultes. Oui, non mais genre en gros, attention. Par exemple, Futurama, les Simpsons, South Park, tout ça, c'est plutôt des dessins animés pour adultes en gros, ça ma question. Mais non. Pourquoi? Bah non. C'est plutôt genre un dessin animé pour les enfants, c'est Dora l'exploratrice en gros, c'est ça que je veux te dire moi. Ah, c'est... Tu vois? Ok, je vois. Plus pour ados du coup. Ouais, on va dire ados. Ok, pour adultes. Okay, okay. Voilà. Ouais, en gros, c'est vraiment ça ma question. Donc plus, donc oui, en gros, plus pour ados. Pour ados, ouais. Plus. Ok, attends, je reformule ma question. Vas-y. Est-ce que je suis plutôt? Est-ce que je ne suis pas plutôt? Donc en négation, hein. Pas plutôt un dessin animé pour enfants. Donc là, tu. Oui, non. Oui, ok. Enfin, oui, du coup. Ok. Ah, parce que tu veux que je réponde non? Non, je ne suis pas forcément un dessin animé pour les enfants. En gros, d'accord. On t'a compris, frère. On a compris. En gros, je ne suis pas un dessin animé pour les enfants. Ouais. Ado, oui. Oui, ok. Est-ce que je passe à la télé? Ouais. Est-ce que je passe sur des chaînes de TNT? Je saurais pas répondre. Entre la 1 et la 21, quoi. Oui. Est-ce que je passe plutôt sur W9? C'est à toi de répondre. Il me semble. Oui. Je crois. Oui. Okay. Je crois que j'ai déjà vu sur W9, en tout cas. Est-ce que je ne fais pas partie des Simpsons? Si. Donc c'est non, ok. Oui, ok, donc c'est non, ok, vas-y. Elias. Ok. Est-ce que je joue à des jeux vidéo? Oui. Est-ce que je suis un YouTuber gaming? Oui. Ok. Est-ce que je suis brun? Oui, plus ou moins. Est-ce que j'ai de la barbe? Légère, je crois, oui, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que j'ai une bonne image? Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un dans cette pièce a déjà rencontré ce personnage? Non. IRL? Comment ça, non? Bah moi non. IRL ah, ouais. Pas toi. Ah oui merde, pardon. C'est quoi que t'appelles rencontré? Genre écoute, vu IRL tu vois. Vu IRL ouais. Ok, ah, oui. Ok. Est-ce que c'était... Ok attends. Est-ce que j'ai déjà fait des vidéos Fortnite? Bah oui. Est-ce que Thomas a déjà joué avec ce personnage? Oui. Est-ce que je suis lié à Prism? Non. T'es beau ton nom. Très beau nom. Est-ce que mon personnage est connu? Oui. Mais j'ai pas posé cette... Non il est inconnu, c'est le mec. C'est notre voisin. Le jeu c'est fait des personnages et des trucs connus. Est-ce que mon personnage est fait des vidéos? Oui. Est-ce que mon personnage est relativement enrobé voire gros? Je fais du sur place. Non, non. Pas du tout. Non. Ok. Est-ce que j'ai déjà regardé en entier le manga dans lequel je suis? Si quelqu'un sait, là. Oui. T'es à jour. Je suis à jour. Non, ça okay, va. Merci. Bah oui, frère. Est-ce que j'ai joué dans SNK? Oui. Tiens, c'est un pied. Ok. Oui, c'est pour ça. Est-ce que j'ai le pouvoir d'un titan? Oui. Oh le bâtard. Elle est belle. Est-ce que je suis Eren Yeager? Oui. Yeah!
Attends, on essaye de deviner vite fait. On fait un tour, on juste pour deviner. On fait un dernier tour, vas-y. Mais non, mais nous on continue à jouer. Ouais, vas-y, on continue à jouer. Putain, merde, toi. Gros GG Anatheos, je sais pas après si vous voulez, si on aura le temps de faire. Oui, on continue, je te jure, on continue. En tout cas, oui, continue. Tu prends le maximum de points, c'est toi qui gagne cette partie. Vas-y, pose des questions. Ok. Est-ce que je fais partie de l'univers d'un animé? Trop de te répondre non parce qu'il croit qu'il sait là. Est-ce que je fais partie d'un animé qui a bercé notre enfance? Oui. 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 Pardon. Ok. Est-ce que je fais partie de Dragon Ball? Non. Je savais qu'il pensait à ça. Il est deg. Il pense à plus rien là. Je connais, hein. Je suis censé connaître, oui, les gars. Bah oui, tu connais. Mais oui, si je connais pas, je vais vraiment péter un câble. Oui, hein. T'inquiète, fake ça. T'inquiète. Je savais qu'il pensait à DBZ. Il était dégoûté. Il disait, je vais win là. C'est dans ton top 3 DBZ en plus. Est-ce que je suis un personnage des Simpsons? Oui. Est-ce que je suis Marge Simpson? Oui. Oh! Bah oui, c'est une femme. C'est une femme. Attends. Est-ce que je suis un personnage des Simpsons? Oui. Est-ce que je suis gros? Oui. Je suis Homer Simpson. Oui. Et ton pouvoir que je disais, il peut manger l'infini, Homer. Mais n'importe quoi. Mais là, c'est pas un pouvoir. C'est pas un pouvoir. T'es fou, toi. Attends, mais pour moi, c'est un pouvoir. Toi, tu l'as mis. Et frère, lui, t'as mis Marge. Toi, tu l'as mis Homer. Bah, en fait, non, je lui ai mis Marge. Et lui, il m'a dit, je lui mets quoi? Je lui ai mis mon père. Vas-y, ok, attends, tout le monde a trouvé pour l'instant. En fait, tout le monde a trouvé pendant ce tour, pour l'instant. Oui, vas-y. Ok, est-ce que j'ai participé aux Z-Event? Oui. Ok, est-ce que je suis Squeezie? Non, mais pourquoi tu... Non, tu... Mais pourquoi tu... Parce que... T'as dit, on n'est pas le plus gros... T'as dit, je fais pas partie des plus gros youtubeurs. Ouais, c'est vrai. Squeezie, il fait pas partie des plus gros youtubeurs. Plus qu'un essai. Gros débile. Vas-y, attends, la finale entre Bichou et Elias. Mais Bichou, là, il y a Fake aussi. Il y a Fake aussi. Est-ce que je fais des vidéos à but humoristique? Oui. Est-ce que je fais des vidéos prank à certains moments? Non. Vas-y, Fake. Allez, enchaîne. En fait, je vois tellement pas d'animés dans ma tête. Qui ont bercé notre enfance? Ouais. Quel animé a pu bercer mon enfance? Ça fait que t'as des plus faciles. J'avais dit de mettre un bandana. Mais bordel de merde. L'aidez pas, hein. Ouais. Fake, des animés qui ont bercé notre enfance, il y en a pas 30. Fais la liste. Est-ce que je fais partie de Olive et Tom? Mon dieu. Non, vas-y. Baby. Ça va être la finale, Fake Bichouche. En fait, à part. Pose des questions, cousin. T'es pas un plus grand youtubeur de France. Ok. Presque un essai. Ouais. Est-ce que. Pose d'autres questions, frère. J'en ai pas en fait là. Parce que je suis proche du but. Est-ce que j'ai un partenaire dans mes vidéos? Un partenaire, oh, oui. C'est-à-dire? Bah, genre par exemple en mode. Un duo? Ouais, en mode. Non. Ah, non. Non. Bichou? Ok. Est-ce que je suis un gros youtubeur? Non. Si. Oui. Non, mais un gros youtubeur en tant que d'abonnés? Pas vraiment. Tu veux que je vérifie, on a combien? Ouais, mais c'est plus. Tu sais quoi, vas-y, je te le donne parce que sinon tu vas jamais y arriver. T'es plus sur Snap en gros. T'es un gros snapper. T'es un gros snapper. Attends, t'as déménagé. Est-ce que je suis quelqu'un qui va faire des snaps à but humoristique? Pas plus ou moins. Ouais, ça peut t'arriver. Allez, on te laisse, on est gentil, oui, des fois. Donc pas tout le temps. Même si t'es vraiment pas drôle. Est-ce que j'ai une grosse communauté sur Snapchat qui me suit? Oui. Ta grand-mère, oui, frère. Non, arrête de forcer, frère, arrête. Je sais pas, attends. Est-ce que j'ai fait autre chose que YouTube? Des interventions sur des plateaux TV? Oui, tu as fait Snap, on te l'a dit en fait. T'as fait une émission, Snap. T'as fait des émissions et tout. Attends. T'as un peu plus de bichou. Est-ce que j'ai un gros compte Instagram? Tu as 2 millions de followers sur Instagram quand même. 2 millions de followers sur Instagram? Putain, c'est qui ça, wesh? Déjà, c'est pas moi. Est-ce que j'ai un duo sur Snapchat? Non. Nique ta mère. Vas-y, fake. Un duo? Tu crois que c'est côté caméto de Snap, fils de pute? Sur Snap, il y a bien des gens qui font des snaps avec quelqu'un d'autre. Tu vois, par exemple, l'autre là qui fait vas-y, fake. J'aimerais d'abord une petite précision. Est-ce que vraiment je suis plus axé animé, comme je l'ai dit, ou dessin animé? Tu es un animé. Donc, bah, dessin animé, c'est animé. Oui, mais t'es un animé. T'es un animé, t'es japonais. Plus animé, ouais. Ok, ouais, je suis plus dans le Jap. Fake. Quand tu vas le savoir, tu vas dire, mais je suis vraiment un débile, ça. Pose des questions. Univers Naruto? Non. Non, vas-y, recommence, frère, s'il te plaît. Mais frérot, j'ai pas d'animé qui me viennent en tête qui ont passé mon enfance. Ok, fais, là, dis les top 3 des plus animés les plus connus du monde. One Piece, Naruto, DBZ. Bah non. Y'a un animé qui est plus connu. Le 1 est devant plus. Devant tout le monde, frère. Bah oui. Au-dessus de Naruto, DBZ, oui. Bah oui, wesh. Ok, il a fait un top 10 animés les plus connus. Attendez, ok, top 10, des plus connus, frère. C'est pas le meilleur ou quoi? C'est le plus que tout le monde connaît. Bleach, Tokyo Ghoul. Le plus connu, frère. C'est-à-dire même ma daronne, elle connaît. Ma daronne aussi, elle connaît, frère. Ma petite sœur de 9 ans, elle connaît. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît, c'est universel. Bah oui. Un truc de fils de tout le monde. Mais non, tout le monde connaît. Nos voisins là qui ont 40 ans, ils connaissent. Tu m'as mis l'animé de l'enfance de Moustouf, pas de la mienne. Non, c'est mon enfance, c'est mon enfance. C'est notre enfance à tous. Regarde, tu as regardé, tu y as joué. Attends, parce que il a dit DBZ, c'est mon enfance, mais moi c'est mon enfance. Oui, non mais même, frère. Fake, s'il te plaît. Est-ce que je suis sur Netflix?
Non. Non. Bah nique ta mère, ça y est. Vas-y, Elias. Ça, moi, je pense que je l'aurais pas. Si, tu l'auras. Tu en, fait, mais en fait, je pense que c'est un influenceur auquel je vais pas penser comme si. Mec, tu vois. Si. Ah ouais. Ouais. Ok, regarde. C'est Thomas qui te l'a mis. Oui. Je vais vous baiser. Hein. Est-ce que mon pseudo ne commence pas par A? Oui. Non. Enfin, oui. Est-ce que mon pseudo ne commence pas par oui. B? Oui. Est-ce que mon pseudo quoi? C? Oui. D? Oui. E? Oui. F? Oui. G? Non. T'es un tricheur quand même. Il a bien joué. Ouais, c'est de la triche. C'est de la triche, ouais. La triche, mais c'est réglo. On fait pareil. C'est rusé. Est-ce que je suis un. C'est rusé. Okay. Attends, y'a Bichou. Bichou, attends. Oh oui. Oh là là. Sérieux. Ok, est-ce que. Non, il n'habite pas à Toulouse. Non, est-ce que mon personnage. Non, il n'habite pas à Narbonne. Fait des snaps tous les jours. Oui. Nique ta peur. Mais nique ta peur. Est-ce que mon personnage est jeune? Jeune? Jeune. Non. Non, ça y est. Il est vieux? Bah, il est pas vieux. Quoi qu'elle est jeune, quoi qu'elle est jeune. Entre 20 ans et 25 ans, il est jeune. Sinon, non. Donc il a la trentaine. Soit jeune, c'est vraiment. Allez, Peck, s'il te plaît, réfléchis. Allez, Peck, allez. Allez. Ah? Tu l'as? Je l'ai, mais wesh, mais ça me paraissait tellement tu pas penses évident. À quoi? Est-ce que je fais partie de l'univers de Pokémon? Oui, Peck, oui. Est-ce que je suis sa chatte? Non. Gros chatte mouillé. Ok, est-ce que je suis Gotaga? Oui. Ok, putain. Tiens, vas-y, là, allez, vas-y. La finale, frère. Franchement, celui de vous deux qui trouve pas. La finale des losers. C'est vraiment le gros loser. Regardez, ouais, ouais. Celui de vous deux qui trouve pas, il range la maison. Mais gros, non, ta gueule, c'est toi qui fais ton gars. Non, ça y est, c'est toi. Attends, mais lui, il va trouver, c'est sûr. Mais attends, mais est-ce que. Attends, non, ok. Pas droit. Non, parce que si c'est ça, frère, je pète un câble, frère. Quoi? Non, tu poseras des questions. Est-ce que je suis Sebi Daddy? Oh non. Non. Frère, est-ce que je suis un Pokémon? Oui. Oui. Ok, enculez tous bien vos mères. On avait dit personnage ou personnage qui existe IRL, pas. Non, c'est un personnage Pokémon, Pikachu. Pas animaux, c'est un personnage ta mère. Si, si, monsieur. Cousin, je suis IRL, je me transforme en titan. Attends. Nique ta mère. Fake. Dans tous les cas, tu n'avais pas trouvé Pokémon. Donc même Sacha, t'aurais pas trouvé. Mais je m'en bats les couilles, frère. Vas-y, tente des Pokémon. On m'a baisé. Pose des questions sur les Pokémon. T'es un Pokémon. Ok, est-ce que je suis. Bon, attention, prends pas de risque. Attends, c'est la dernière chance là. Pokémon connu. Ouais. Est-ce que je suis un Pokémon jaune? Oui. Est-ce que je suis un Pokémon qui a un pouvoir d'électricité? Oui. Ok, est-ce que je suis un Pokémon qui a les joues rouges? Oui. Est-ce que je suis un Pokémon qui a le bout de la queue noire? Oui. Non, il est reçu ça. Oui. Quoi? Ouais, non, oui. Il a pas vraiment il a pas... le bout. Regarde. Et ni les oreilles, ni le bout des oreilles. Oui, regarde. Ah ouais? C'est ça, c'est. Ah ouais. C'est Squeezie qui a fait sa vidéo. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Oui, bah oui, bah vous trouvez aussi. Non, parce que moi, je pense à Pichu. Regarde, en fait, t'as vu, il a pas le bout de la queue. Oui, ok, c'est vrai. Du coup, c'est ma dernière chance. Pourquoi tout le monde pense ça, frère? C'est fou, hein. Vu que c'est ma dernière chance, est-ce que mon personnage est connu de tous autour de cette table? Oui, tout le monde le connaît. Oui. Est-ce qu'on l'a déjà côtoyé? Non. Non, putain, absolument pas. Mais bon. Mec, t'as na... Il me touche le tap. T'as un truc? T'as idée? Est-ce que le seul truc que je sais dire de toute ma vie, c'est Pekka Pekka? Oui. Non, tu sais dire Pikachu aussi. Allez, à suivant. Oh oui, c'est vrai. Tu sais dire Pikachu. Bah, en toi. Pikachu. Mais je sais pas moi frère. Attends, regarde la caméra pour ceux qui viennent d'arriver comme ça ils voient qui. Ah ben voilà, parfait. Est-ce que mon personnage Bichou. Le Bichou. Mais je sais pas moi. Le Bichou, allez. Est-ce que je suis fan de ce personnage? Non. Non. Mais je sais pas moi. À toi Fake. Allez Fake, s'il te plaît. Je suis Pikachu, wesh. Okay, ouais, c'est vrai. Ouais. Et là, je dois deviner là. Ouais. On est à mon front, wesh. Hein oui, bah oui. Je te donne un indice. Il est homo. D'accord. Il est homosexuel. Oui. Regarde, je te donne deux autres indices. Non, attention, parce qu'il y a un indice, vraiment, il est décisif. Hein. Ah ouais, c'est le. Un snapper que je connais qui est homosexuel. Ouais, non. Je te donne un autre indice. On va lui donner, d'accord. Vas-y, on lui donne. Baignoire. Baignoire. C'est un très bon indice. Oh mon dieu. C'est un Snapchat. Ah oui, bah oui, bah oui, Claude François. Non, mais je pensais que. Non, tu étais Jerem Star, Bichou. En plus, je t'ai dit, vous avez un point commun, wesh, tous les deux. C'est quoi? Bah, ils aiment bien faire des bains. Genre, en fait, regarde Bichou. Ouais. Et comment je pouvais devenir. Mais non, par contre, ils avaient été des enculés avec moi, wesh. Non, frère, non. Qui regarde les plus gros enculés, c'est avec moi. Les amis. Mais ta gueule, toi, il était trop simple. Les amis, moi, je dis quand même un gros GG à Mathéos. Parce que il a vraiment posé des questions. Et tu as gagné 500 euros qui te seront envoyés par PayPal de Loli. Merci Loli. On te invitera plus souvent Loli d'investir à chaque fois sur les émissions. Les gars, merci. Merci Loli. Merci beaucoup Loli pour ta chronique, les gars. J'espère qu'il vous reste de l'énergie. Bah oui. Ouais, putain de merde. J'espère, les gars, qu'il vous reste de l'énergie parce que ça va être mon émission. J'espère qu'il vous reste de l'énergie puisque nous accueillons les épreuves de Fake. Bam 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 bam. Décale ta mère, toi.
Les épreuves de fake, donc bienvenue à tous, bonsoir. J'espère que vous êtes assez en forme aujourd'hui parce que les épreuves que j'ai concoctées, il y en a une qui est physique, il y en a une qui est agilité, donc là, et oui. Qui utilise des trucs agiles, et la troisième qui est ça, t'es un bonhomme si tu le fais. La première épreuve, il y aura peut-être Elias qui va être au-dessus des autres. Selon ses anciennes performances. Pourquoi ? Parce que cette épreuve n'est autre que, s'il vous plaît, ramenez-moi le pack d'eau. L'épreuve de force. L'épreuve de force. Celle bien connue de... Oh, même moi j'ai galéré à le porter. Donc du coup vous allez devoir tenir, bah, comme d'hab, le pack comme ça. Oh, je vous jure c'est compliqué. Donc tiens Bichou, le petit pack que je vais te mettre là comme ça, tu vas pas niquer ton énergie. Attention, tu niques un peu d'énergie là. Quand je te dis go, et seulement quand je te dis go, tu go. Je vais prouver la vérité dans cette maison. Et le bras, écoute-moi bien parce que je vais pas le répéter Bichou, d'accord ? Surtout toi. Donc quand tu as le bras tendu, quand j'entends tendu, c'est tendu face à toi, pas comme ça, c'est tendu monsieur, droit. Monsieur l'arbitre, je propose que quand il lève le bras, je mets ça ici parce que c'est à 90 degrés. Bah ça non, ça l'aide. Je pourrais voir. Oui, mais moi je le mets un peu en dessous pour voir si c'est bien 90 degrés ou pas. Et n'oubliez pas le level up si vous voulez être en voilà, forme et plus, tout. Voilà, level up avec le code Tommy puisque oh, là il y a 15% de réduction les gars. 15% de réduction sur vos achats, je sais pas si quelqu'un est-ce que je me propose même de faire avec la vérification, monsieur l'arbitre, si vous 15% avec le code Tommy, 15% pour la pré-Noël, ça fait plaisir. Allez-y, foncez et voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Ok, le chronomètre démarrera au moment où tu auras ton bras tendu. C'est bon, tu es prêt ? Ouais. C'est parti, 3, 2, 1, go. C'est parti. C'est chronomètre a démarré. Bonne chance, Bichou. Nous avons commencé l'épreuve. Waouh ! Ah, Bichou qui galère déjà. Il avait été monstrueux au gainage, je sais pas si vous vous rappelez. C'est ouais, parfait. Ouais. C'est il avait soulevé mec. Julia. Ouais. Bichou, là, tu es dans une position parfaite. Mais mec, ça tire de fou ! Je rappelle que Bichou avait fait des stats exceptionnelles lors du dernier événement avec un gainage remarquable, digne de athlète de grand niveau. Il commence. Mais c'est trop dur. Mais il tient bien là, 30 secondes, c'est vraiment bien. Il tient vraiment très bien, des statistiques remarquables. Est-ce qu'on se rappelle, monsieur l'arbitre Ça baisse, remonte un petit peu là. Est-ce qu'on se rappelle, monsieur l'arbitre, les dernières performances? On est en dessous des 90 degrés, monsieur l'arbitre. Ça y est. 44 secondes. Bon, à la fin. Ça applaudit, c'est quand même bien. C'est beau, c'est vraiment bien. Elias, tu es prêt? Ouais. Ok, bah c'est parti quand tu veux. Ok. Ok, c'est bon. Waouh, à démarrer. Ouais, non, c'est vraiment pas facile. Je sais pas comment j'ai tenu une minute ça. Il faut que je me vide la tête. Par exemple, il y a plein de rappeurs que j'aime bien. Ah, Noé, c'est plutôt beau si je peux me permettre. Il a une barbe complète. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une barbe complète. Est-ce que, Elias, pendant le temps que tu tiens, tu veux que je te dise les secondes tous les 10 secondes? Non, mais si tu peux essayer de te rappeler comment j'avais fait la semaine dernière pour voir si je crois le Nonut Challenge a baissé mes capacités au niveau du bras. C'est une minute 10 ou un truc dans une minute 10, 12, ouais. Un truc comme ça. Ok, je crois que je commence à trouver mon rythme, même si mon bras commence à cesser de me répondre. Eh oh, bras, réponds. T'as dit quoi? Le no-note challenge. Ah, le no-note challenge, le no-note challenge, pas je suis en train de le faire. En fait, je n'exerce plus mon bras, du coup, j'ai perdu quelques capacités. Il a combien de temps, là? 50 secondes. Allez, tiens encore un peu, mon okay, grand. Ok, je perds mes sensations. Il ne répond plus. Allez, garde-le, garde-le bien dans l'air. C'est bon. Combien? What the fuck? Et il est à 58 secondes et 82 dixièmes. Oh, des statistiques impressionnantes. Pour l'instant, il est premier. Mais il est trop fort! Aïe. 58 Elias. Secondes et 82 dixièmes. Alors, faut savoir un truc, c'est que dans cette compétition, il y en a un qui est tout le temps en compétition avec tout le monde pour tout et n'importe quoi. Et c'est bel et bien votre streamer préféré qui m'a dit ce soir avant l'émission qu'il allait essayer de péter le record de Elias. J'ai rien dans le ventre, je suis fatigué et j'ai pas assez dormi. D'accord. Par contre, les gars, maintenant à partir d'aujourd'hui, je sais pas combien on est, mais je refuse qu'on me traite de gros porc. Je ne suis plus gros. Maintenant, je suis un peu enrobé, mais je ne suis plus gros. Donc, quel terme voilà. Peut-on utiliser? Genre grassouillé. Vous pouvez me dire grassouillé, mais je ne suis plus gros. Voilà. C'est parti quand tu veux. Bonne chance Thomas. Et chronomètre. Aïe, Thomas, qui reste assez concentré sur les bouteilles. Effectivement. Allez, Thomas, allez. Hors pair, c'est dans ce genre de moment qu'on pense effectivement peut-être à sa petite amie, entre autres, je ne sais pas. Vous savez ce qui est terrible? C'est de faire le vide. C'est quoi qui est terrible? C'est que si jamais il perd, il va dire ouais, mais c'est parce que là, si son bras il est plus petit, vu qu'il est plus petit, il a de la chance. Elias qui tente d'amadouer l'adversaire en le faisant rigoler. Non, c'est pas mon objectif. Une stratégie hors pair. Le challenger qui se plaint de ne pas déjà être bien. Pour l'instant, tu es assez droit, nickel. Essaye de bien tenir Thomas, essaye de pas trop bouger. Plus tu bouges. Hey, Thomas, tu continues comme ça. Fais gaffe. Il y a de l'aide, hein. Je suis à combien? Allez. T'inquiète. Allez.
Allez. Ah, ah non. On a senti une détermination. Dommage. Thomas qui ça me faisait trop mal là, j'ai peur qui a perdu. Ah ouais, je vois la 50 secondes et 0,5 dixième. Autour de notre cher et tendre Poké Cake. Mais j'ai le bras plus dessus, je pense. Oh le bâtard. Ton muscle est plus concentré dans ton bras. Ok, t'es prêt Poké Cake? Il est à ne pas sous-estimer Loli, je pense. Oui. Je pense que Loli, il avait un petit ventre grâce aux, je sais pas si vous vous souvenez des anciennes émissions. Bon, il l'a encore. Et là, ça y est, il l'a repris un petit peu. Je crois qu'il s'est rebuté à la salle. Vas-y, quand tu veux. C'est parti, c'est Loli, directement. T'étais là la première édition, Loli, ou pas? Recule un petit peu, Loli. Est-ce qu'il était à la première édition ou oui, pas? Oui, il avait fait, il avait perdu. On avait dit pareil et au final, il avait perdu. Loli, une concentration extrême. Voilà, ferme les yeux. Du bras droit. Ouvre la bouche. Il visualise une île peut-être paradisiaque, des femmes nues, des cocotiers, des crabes. De la weed. De la weed. Par contre, l'effet levier, ça existe pour de vrai, Elias. Hein. Sache que ton bras est plus petit, donc forcément, c'est plus facile pour toi de tenir plus. Je sais, en vrai, je sais. Okay. Loli qui tient très bien, ses muscles qui tremblent, mais ça, c'est un réflexe. Mais vu que je l'ai dit avant, bah du coup, si tu le dis, tu perds en crédibilité. la pression du pack de bouteilles. Allez, Loli. Ce sont tu peux le faire, putain. 6 bouteilles de 1 litre qui font à peu près 6 kilos et quelques grammes. Ah, ouais, rappelons que l'eau, dans 20-30 ans, il y en aura plus. Il y en aura plus, donc. On tirait moi le sort. Aïe, 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 allez Loli, allez, à fond. Aïe, 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 combien aïe, 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 aïe. Loli qui a perdu à 55 secondes et 25 dixièmes. Aïe, 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 et lui il a pas des petits bras lui. 55 secondes et 25 dixièmes. Voyons ce que Nathalie peut nous. Allez les petites salopes, pour autant s'asseoir et on laisse s'occuper de ça. 58 et quelques. 58,90. Ouais, un truc comme ça. Est-ce que t'es prêt Nathalie? T'as l'air tout prêt, t'as l'air tout joyeux. Laisse-moi faire bâtard. Ok. Allez, on fait les 10 secondes. Quand tu veux. C'est parti. Le chronomètre. Oh mon dieu! Oh là 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 là! Là il a senti! C'est pour ça que moi je propose. Ouais, ça tremble déjà! C'est qui? C'est Nathéos! Je pense. Oh comment il tremble! Aïe 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 aïe! Ça fait pas mal Nathéos! Ah son bras c'est un vibro! S'il faut lâcher, lâche! Allez Nathéos! T'inquiète! T'es au moins à 10 minutes là! Tu passes! C'est bon! Alors? Nathéos qui a fait 30 secondes et 50 centièmes! Par contre, moi ce que j'aimerais. C'est une démonstration de fake. Parce que fake en général il est fort. Putain! Bon, vas-y. Je vais le faire. Montre-nous juste pour voir si t'avais participé à ce que t'as gagné. Vas-y. Ouais. C'est parti. Non mais quelle confiance, quel cambrure. Quelle prestance, quel organe. Quel organe, monsieur. Vous êtes vraiment bien fait. Oh, il a un camelto. Un camelto? C'est quoi un camelto? C'est le moulage de la chatte dans. Non mais t'es bien, mais t'es fort. La régie tente de cacher le sexe de fake. T'es déjà à 15 secondes. Ah, c'est bien. Un pulse expulse, les toxines. 30 secondes. Développe tes toxines. Allez fake, tu vas tenir parce que tu 40, sais pourquoi, parce que t'es 40, plus fort. 40 secondes fake. Fake, c'est toi qui vas à la salle, c'est pas eux. Voilà encore. Dommage. Oh non. Non, 54 t'as fait. Je mentais sur le chrono, je sais pour t'encourager, t'as fait 54. C'est bien fake, GG. Donc, est-ce que je pourrais avoir le carnet des classements? Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi j'évite les bagarres, ça? En fait, je vais tuer des gens si je frappe. Et moi, est-ce que vous comprenez ça? Je vais me faire tuer si je me bats. Nathéos a triché, je suis dernier mais j'ai triché. Bienvenue à toi mec. Ils aiment trop dire triche. Okay. Du coup le classement? Alors du coup, nous avons... Ok, je savais pas ça. Nous avons en dernière position, bien évidemment, Nathéos. Nathéos qui est cinquième avec 30 secondes et 50 dixièmes. Suivi de Bichou. Je suis pas dernier pour une 44 secondes, 32. Oui. Ensuite... Thomas, 50 secondes, 0,5. Après Loli, 55,25. Et Elias, 58,82. En fait, au-delà de 50... 3 secondes. C'est bien. Au-delà de 50, c'est trop dur. C'est trop dur. Ok, les gars. Est-ce que cette première épreuve vous a plu Oui. Ça vous a plu ouais. Ok. Donc, devant vous, les gars, vous avez 1, 2, 3, 4, 5... Bon, 6 gobelets, mais bon, le dernier, il compte pas trop. Vous avez 5 bouteilles, donc pour vous 5. Donc, du coup, je vous explique les règles. Bichou. Oh, mon Dieu. Pour l'instant, c'est Elias qui va le tenir pour Bichou. Donc Bichou, tu vas te placer à peu près ici, vers un peu la fin du tapis. Bon, vous voyez pas vous, mais vous allez voir. Et Elias va tenir un verre comme ça. Du coup, Bichou, il va devoir, avec toute la bouteille, mettre de l'eau dans sa bouche et la cracher, genre pas comme ça, genre un petit jet. Un petit pipi de bouche dans le verre. Et si tu remplis très très bien le verre, c'est pour ça qu'il y a plusieurs verres. Si tu remplis le plus le verre, et bah t'as gagné. Donc Elias, tu vas te tenir à peu près contre le mur. Et toi Bichou, tu vas venir plutôt ici. Bichou, tu prends le maximum dans ta bouche et tu craches en une fois. Et si tu mets le plus d'eau dans le truc, et bah t'as gagné. Ok. Voilà comme ça. Ok. C'est bon, tout est good.
Dieu. C'est prêt? Vas-y, go. Si t'as mal, t'as perdu une gorgée, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais. Un mongol. Il sait même pas jeter de l'eau. Il souffle. Qu'est-ce que fatch? Oh, heureusement, c'est un mur en pierre. Non, fais une gorgée, s'il te plaît. Deux gorgées. La bouteille. Non, on va faire trois gorgées. Trois gorgées comme non, ça, on est là. Je vais dire la bouteille. Non, trois gorgées. Oh, il a un peu rempli, on a entendu. Et la troisième? Comment yes, y en a presque. Comment y en a c'est qui vont bon, au-dessus bon. Ok, c'est bon, il c'est bon. Il a rien, est-ce qu'on peut voir à la caméra ce qu'il a? On peut regarder. Est-ce qu'on voit? Les épreuves de fake. Les épreuves. Après, Bichou est bête. Donc, mon épreuve est bête et lui. Après, c'est un gage. Ils ont perdu et c'est un gage. Voilà, c'est leur. Là, c'est plus leur votre gage d'avoir perdu en vrai. De quoi? Non. De quoi? Non. Non, Lies avait gagné. Tout le monde doit faire. En fait, tout le monde doit le faire. Ah, tout le monde doit faire. Mais c'est pour ça que je t'ai dit une bouteille, c'est trop. Ah, moi, je croyais que c'était que. Bah, t'en avais pourquoi? Il y a 5 bouteilles, frérot. Vous êtes 5, j'ai dit au début. Allez, ton main. Viens me tenir le verre. Moi, je peux te le tenir pour toi. Non, c'est Bichou qui tient ton verre. C'est Bichou qui tient mon verre. Attends, mais je suis pas au courant de ça, moi. Allez, Lies. Allez, Lias qui va nous réaliser le meilleur jet de sa vie. Putain, y'a rien qui tombe. Mais frérot, c'est une pluie ça. Mais ça tombe c'est même pas, pas mais... C'est pas un jet, c'est une pluie ça. Non, mais on va annuler cette épreuve, je te jure. On annule pas cette épreuve. Hein. Sûr, ouais, pour ça, Bichou il gagne clairement. Tu ne touches pas. Ça va ici. Oh. Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, espèce d'enculé. Mais Elias, t'es naze, mais moi je saurais le faire. Bichou, t'es plus prêt. Je te jure, si tu fais un jet d'un coup. Oh! Oh là 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 là. Oh! Ah, il a bien fait, juste dommage, dommage. Il a niqué une Jégor là. Mais c'est impossible, mec, c'est impossible! C'est possible, tout a été testé avant. Oh là là, il est insane. Pas mal. Oh là oh là, mais frère. Oh là là. Mais tu pourrais être la fontaine qui fait pipi en Belgique là. Ta mère. Oh là là, un homme fontaine. Insane. Les épreuves de fake. C'est mouillé. Voilà, Loli, il est chaud. Et à la fin, je vous dirai un truc il va y avoir important, trop d'eau par terre, en fait. Important sur cette épreuve. Parce que vous vous sentez un peu trop à l'aise dans cette épreuve. Oh Loli, comment tu remplis trop bien. Oh Loli, il est trop faux, trop fort, trop faux. Trop faux, t'as capté? Je voulais dire trop chaud et trop fort en même temps. Non mais les gars, il y a trop d'eau par terre en fait, moi c'est juste ça là. Yes, allez Loli, la fin, finito. Après, es-tu mouillé pour les mêmes raisons que le verre? Je ne pense pas. Voilà, nickel, parfait, carré. L'épreuve de la honte. Bien joué, champion. Viens, la semaine prochaine, on fait pareil, mais avec notre bite et on pisse. Et tu tiens. Nadia, je te sens fort sur ça. Putain, mais en fait, vous êtes pas prêts pour la dernière épreuve, bande d'enculés. Attends, des carrés à gauche. Je crois que les rugbyman, ils font ça dans les vestiaires. Nadia, normalement, t'es fort à ça. Nadia, je te jure, t'es trop chaud, toi. Vous l'avez rayé. Si. En fait, il a trop l'habitude d'avaler, c'est pour ça. Ne perds pas ton eau. Waouh, très beau jet. Waouh, c'est bien Athéos. Voilà, on remplit. Allez, un beau pipi. Tout dans le pot. On n'avale pas Athéos, je sais que tu as l'habitude d'avaler. Apparemment, c'est toi qui lui as donné l'idée, Afek, de faire ça. Qu'est-ce que j'ai créé? Qu'est-ce que j'ai créé? Je crois que j'aurais pensé à ça. Non, c'est parce que j'en ai trop. Sartre, t'avais fumé combien de jours avant de faire cette épreuve? Ça, je crois que j'étais juste un demi. C'est Nathéos qui va gagner. Ah ouais. Nathéos, on sait pas. On sait pas. Il prend beaucoup en fait. Il fait des petits jets qui vont tout le temps dans le. Ah Nathéos, ah qui utilise la technique smart. Pas mal Nathéos. Il réfléchit toujours avec son cerveau, ce garçon. Il réfléchit toujours avec son cerveau, même quand faut pas l'utiliser, il l'utilise. Oh. C'est vraiment très dur de réfléchir avec autre chose. Non, moi j'arrive. Voilà, Nathéos. Petit G. Oh là là, il tente des techniques. Il tente des techniques. Il théorycraft l'épreuve. Oh, là ça a bien rempli là. Aïe. Oh. C'est bien Nathéos. Le G laser. Le G laser, on l'appelle. Attention Nathéos à ne pas te noyer dans cette épreuve. C'est Damso sur les champs.
Ok, vas-y, je le fais. Nice. Jure. Ah, ok. Ouais, oh, il se mouille. Thomas, ouais, littéralement. Il se mouille. Vas-y, mais littéralement et tout truc en main. Allez, Thomas. Voilà, je crois que j'ai rien fait de ma vie. Mais non, pas trop, Thomas. Il y a plus qu'une pression. T'en escrates un peu ? Oui, t'en mets pas trop. Genre, remplis ta bouche, mid. Oh, oh la catastrophe. Il s'est craché dessus. Mais frère, je sais pas cracher, moi. Prends mid. Essaye d'être un jet d'eau. Il te faut de l'air pour appliquer de la pression. Mais tu crois sur quelqu'un aussi. Comment tu fais avec ta bouche ? Pense comme une fontaine. Fais un O. Voilà. Tu l'as. Maintenant, dompte-la, Thomas. Le fast learner. Bichou, je sais pas comment tu fais pour boire en face de ce spectacle. Mais vous avez appris ou à cracher, frère? Au foot. Ah ouais, ouais. Qualification là, monsieur. Monsieur. Il tente des strats. Bah, Bichou. Bichou là. Ouais, t'as fait pire. Ouais. J'ai fait pire que Bichou. Ouais, moi, je l'ai rempli un peu. Bah, du coup, moi, je suis content parce que on a pu voir ici des talents de crasheurs. Comme Loli, comme Elias, je crois, Nathéos qui théorycraft extrêmement bien. Et nous avons les résultats. C'est serré ou pas, monsieur l'arbitre? C'est assez serré, sauf une personne. Je tiens à dire, monsieur l'arbitre, que vous êtes très bien habillé aujourd'hui. Merci. Nous avons en dernière position, Sans surprise, notre cher et tendre Thomas. Arrête. Qui est à 11 grammes. Son verre est ah, à oui, 11 grammes. Ah oui, un 10 balles. Okay. Suivi de Bichou, qui est à 52 grammes. Ah. Oh, suivi de Loli, qui est à 118 grammes. Ah ouais, pourtant Loli avait bien visé, hein. Et les deux, et même moi je suis choqué du résultat, les deux derniers. Alors nous avons en première position Elias, 138 grammes. Loli, t'étais à 118, hein. 138, et devine Natos, il était à combien? 135. 130, il était à 130, miskin. À 8 grammes près, t'as perdu, dommage. Non. Du coup, ça fait premier Elias, deuxième Nathéos, troisième Loli, et du coup, les deux derniers qui vont faire l'épreuve finale, parce qu'il devait y en avoir que deux. Quoi? C'est moi qui propose cette idée, en plus, j'ai la haine. Ouais. En plus, c'est lui qui a proposé cette idée, parce que de base, ça devait être des mimes, mais comme il a pas trop aimé, bah, du coup, ce sera ses épreuves. Et du coup, on a besoin de quoi pour cette épreuve? On a besoin de ça. Un livre? Est-ce qu'on a besoin de tout? On n'a pas besoin de tout. Mais non, on a besoin de deux bouteilles pour chacun. Alors, je vous explique. Tenez vos bouteilles. Tiens, fais passer. Et tiens, hop là. Ok. Alors, les gars, qu'est-ce que vous allez faire avec ces bouteilles? Eh bien, tout simplement, vous allez boire. Le plus rapidement. Mais là, vous vous dites, ouais, on boit, ok, mais c'est quoi le truc? Eh ben, faut boire, comme tu l'as dit, Bichou, le plus rapidement possible les 1 litre d'eau. Il y a seulement 1 litre. Vous commencez à mon top départ. D'abord, je vous propose de boire une micro-gorgée chacun. Une micro. J'ai une petite question. Voilà, nickel. Une micro, ok. C'est bon, non, touche plus. Si tu bois, Bichou, tu as perdu d'office. À votre avis, vous allez boire jusqu'où? Toi, Bichou, et toi, Thomas, à votre avis, vous allez boire jusqu'où? Toi, tu la tombes là? Oui, il la tombe. Oh, le monstre, toi, tu la tombes ou pas? Ils sont tous les deux. Les deux, vous la tombez? Moi, voilà, je la tombe pas. Par contre, les gars, buvez tout. S'il y a des gouttes ou quoi, c'est éliminatoire. Donc buvez bien toute la bouteille et faites pas genre oh non, j'ai fait tomber, nique ta mère, t'as perdu. Monsieur l'arbitre, je propose qu'ils se regardent droit dans les yeux les deux pendant qu'ils font ça. Oui, d'accord. non, ils regarderont dans la caméra là. Ouais, la caméra. La caméra là ou là? Ok, dans celle-là. Dans celle-là, les gars. Donc est-ce que vous êtes tous les deux prêts, les gars? Oui. Ok, vous êtes tous les deux prêts. À mon top départ, 3, 2, 1, c'est parti. Ouh là 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 là. Ça descend vite, hein. Ça descend vite. Mais j'en connais un, il a la tech. What the fuck? Il y en a un, il a la tech. La tech, c'est d'appuyer en fait. Oh, Bichou, ça se voit, il a avalé toute sa vie, hein. Attends, hein, mais non, en fait, chienne, non, hein. Ah, il s'est niqué, je crois. Hein, petite chienne, on aime avaler, hein. Mais sérieux? Mais c'est qui ce monstre? Oh non. Mais c'est qui ce monstre? Tombé. Il va faire pipi au lit carrément. Oh là là, Bichou. Bichou qui a tombé la bouteille, Thomas. Aïe aïe aïe, dommage. Des stats surhumaines. Dommage. Fais voir, envoie la bouteille s'il te plaît. Thomas qui a tombé la bouteille que à partir. Mais oui, après. Ici les gars. Frère, il boit la gorge ouverte. Il boit en prix. Ouais. En fait, ça tombe direct. Genre. En fait, je t'explique, il y a une moi, technique. Moi, je sais pas comment faire. C'est quand tu bois et que tu fais.
tu vois, une gorgée. Gork. Et bah t'appuies. Quand tu fais ton gork, t'appuies. Moi je buvais normal. Ça va faire boire vite. Je commence à avoir mal au ventre là maintenant. C'est un peu problématique là. Merci Fake pour ces épreuves désastreuses. Merci beaucoup Fake. Merci. De rien, de rien. Toujours là pour niquer votre émission. Non, Sar, merci beaucoup. On a fait le tour, ça va? Vous avez passé une bonne soirée? Ouais. J'ai passé une excellente soirée. T'as passé une excellente soirée? J'ai passé une excellente soirée aussi. Excellente soirée. Nickel. Bichou, le chat. Mais ce qui compte, c'est vous. Je vous remercie. Merci beaucoup YouTube d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et mettre un pouce bleu. Les gars, merci à vous de votre participation. Merci Loli d'être toujours présent quand on est confiné et qu'on n'a pas besoin. On n'a pas de guest. T'en es quand même. Attention, hein, le jour où il y aura un guest, tu seras quand même un guest, hein, Loli. Ça fait un guest éternel. Voilà, t'es un guest qui est toujours le bienvenu dans l'émission. Merci beaucoup les amis. Merci d'avoir suivi la émission. Bonne soirée, bonne nuit soirée. Les frères. À tout à l'heure ou à demain. Ciao. Ciao les frères. Les Depuis petit, on fascine. Faut des lovés pour les filles ou elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent. Juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai les crocs. Ils veulent m'en paumer, non.